Salut les gens, c'est Fred. Alors, on va continuer notre petit let's play sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau, 8e épisode. Précédent épisode, nous étions arrêtés en plein combat. On avait fait la grande partie, comme vous pouvez le voir, du domaine Zora. Et on devait aller tout en haut, et tout en haut, un ennemi, un Linel. Bip de une aile, parce que cet ennemi c'est une tannée. Alors, on est avec Mipha et on va le faire immédiatement, en espérant ne pas faire un petit game over, comme on dit. Allez, c'est parti. On y go, il est où? Il est là. Oh, bah voilà, ça commence, vous voyez. Ça commence super bien. Heureusement qu'on a un pouvoir de régénération, c'est vrai qu'elle peut, comment dire, elle soigne les blessures. Par contre, elle soigne les blessures, c'est mes propres blessures. Par contre, c'est bien, par contre, on va éviter ça, la vache. On va prendre la nôtre de dernière pomme. Par contre, je vais changer de personnage. Qu'il est un peu plus, mais par contre il avec ça, allez, adieu. Ça va brûler. C'est pas ça que je voulais faire, je me trompe toujours de bouton. Ça sent le roussi, les gens. Et ben voilà. Défaite. Heureusement qu'on s'arrête, on recommence pas tout à zéro, parce que ça aurait été vraiment dommage. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il fait mal, hein. Il fait mal les gens. Il fait très très mal. Eh ben il poursuit en plus, hein. Par contre, on va faire ça. Par contre, il a pas. Elle n'a pas. Fait mal. Hein. Voilà, allez. Par contre, tu vises, tu si tu le touches pas, ça sert à rien, hein, mon cocotte. Hein. Mais ouais, mais oui, mais. On va prendre Link. Il va faire mal quand même. Il va faire mal quand même. Allez, tapez-le, tapez-le, tapez-le. Voilà. Voilà. Il fait mal celui-là. Déjà dans Breath of the Wild, je l'aimais pas du tout, mais là. Ah, loupé. Il a bougé en même temps. Oh. Allez, tapez-le, les gens. Voilà. Mais cours, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se met à deux dos, il est con quoi. Mais non, mais. Oh, j'ai fait n'importe quoi, les gens. Oh, je vais mourir, je vais mourir.
C'était pas ça. Non, merde. Non, mais. On va y arriver, on va y arriver, les gens, j'ai pas envie de perdre. Allez, défonce-le. Défonce-le, défonce-le, défonce-le. Wow, ça, ça fait mal par contre. Aïe 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 aïe. Bah par contre, non, toi t'as pas assez. Ah y'a une pomme. J'aurais dû prendre pour Link. Ah j'ai fait une bêtise. Oh allez, ça va un petit peu l'assommer. J'adore son pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je l'ai eu. Oh, misère. Oh, misère, les gens, je l'ai eu. Hey. Par contre, je l'ai pas tué. Sido, combattre tout seul, comme ça. J'étais très inquiète pour toi, tu sais. Enfin, merci à toi. Tu as été très courageux, petit frère. Pouf, ça y est les gens, on a réussi à faire ce niveau. Ça a été très compliqué. Par contre, j'adore la petite cinématique. On peut voir Sidon petit, il est trop choupi. Alors, à mon avis, on va utiliser la prodige pour éléphant pour. Pour battre, parce que je sais pas si vous avez bien vu, il y a pas mal de Linel, il y a pas mal de Moblin, etc. À mon avis, on va faire comme pour la dernière fois avec l'espèce de. Bah, ouais, c'est une espèce de lézard, une espèce de salamandre. Donc, à mon avis, ça va être le même principe. Je pense qu'on va devoir avancer avec la bestiole, avec l'éléphant et tout dégommer. Donc, on va voir ça. On a gagné de l'expérience avec Mipha. Alors, tiens, c'est ça aussi, il faudrait que je fasse voir. Pour les armes. Il faudra que je fasse les armes, parce que c'est vrai que. Plus ça avancera, à mon avis, et plus ce sera compliqué. Quoique non, à mon avis, si j'avais fait ça depuis le départ, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais eu beaucoup moins de cœur et beaucoup moins d'expérience. Donc, suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Mipha? Putain, c'est vrai, je suis en train de réfléchir, mais Impa, elle n'y était pas, Impa. Elle n'y était pas, Impa, dans le combat. Récompense. Oh, un casque Zora. On dit que ce casque transmis de génération en génération chez les Zora serait fait en écaille de dragon et permettrait de nager plus vite. Ah bah tiens, c'est pas mal ça, ça. Ça, c'est... Ça sera pas mal d'avoir ça. Thank you.
Mais c'est... Bingo! Alors, créatures divines. Voilà, c'est ça. Les prodiges, ce sont les personnages et les créatures divines. Ce sont les. Alors, créatures divines, Varuta, appuyez sur R pour tirer un projectile de glace et maintenez ZR pour faire tomber sur l'ennemi 1000 lances de glace. Ok, ça marche. Oui, c'est ça, créatures divines. Oh, ça y est, ça. La petite bande se met au complet. Alors, la position par défaut des gyroscopes va être réinitialisée. Placer la console, blablabla. Ok, ça on l'avait déjà fait pour le précédent. Eh bien, c'est bien ce que je pensais. On va devoir contrôler. Alors, projectile de glace. Ok, on va tout dégommer. On va faire ça comme la dernière fois avec la créature divine. Alors, par contre, on va faire ça plus bas. Essayez ZR pour voir. Ok, je sais pas ce que ça a changé, mais j'ai pas fait gaffe en fait ce que ça a fait. Pour l'instant, je perds pas de cœur. Passer quand même. On va tout dégommer. Enfin, on va essayer. Ah, on va faire A pour voir. Mais à mon avis, j'en aurais besoin pour. Ouais, on va faire ça. Hop, hop, hop. On va tout dégommer. Voilà, 1000 KO. Je garderai par contre ce pouvoir. Un coup de trompe. Ah là, c'est bien ce que je pensais. Il y en a un qui m'a eu. C'est pas mal d'avancer en même temps, Coco. Comme ça t'évitera de. Je suis pas très loin en fait, hein, pour regarder. Voilà. Par contre, intercepter c'est elle. Donc il faudrait peut-être que j'intercepte ça. Ah non, j'ai plus dans la tronche. On va peut-être passer par là, ce sera mieux. Est-ce que j'utilise tout de suite? Ouais, je vais utiliser tout de suite. Et ça fait quand même pas mal de monde. Voilà. On a bientôt arrivé. On n'a pas trop perdu de cœur, ça va pour l'instant. Fait moins de KO que la dernière fois par contre. Oh bah oui, j'aurais peut-être dû garder mon super pouvoir. Oh là là, toutes les lunettes. Un petit coup de trompe. Ah par contre je crois que j'aurais pas dû faire ça tout de suite. Oh là. Ouais, parce que oui, ils vont faire super mal. Oh, je sens mal. Oh, ils font mal. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir le pouvoir, s'il vous plaît. Voilà. On va essayer de...
dans le menu les plus. Succès. Ça y est? Ah bah oui, j'ai réussi. Ah, je pensais que ça aurait été plus compliqué pour le dernier truc. Donc on va avancer. Oui, j'ai réussi. L'attaque que nous venons de subir m'a fait prendre conscience que nous n'étions pas encore prêts à affronter le fléau. Cette menace concerne tout autant les auras que les autres peuples. Par conséquent, en tant qu'habitants d'Hyrule, nous nous devons de remplir notre devoir. Approche, Mipha. Oui, père. Tu t'es montré digne de piloter la créature divine. Je t'en confie les commandes. Toutefois, promets-moi de revenir saine et sauve. Donc voilà, on a récupéré Mipha comme allié. Elle va maintenant nous rejoindre dans les prochaines missions. Je pense que justement, c'est beaucoup de missions vont apparaître au domaine Zora et qu'il va falloir utiliser pour. Alors, Mipha, princesse des Zora. La princesse des Zora possède le pouvoir de soigner les blessures d'autrui. C'est ce pouvoir qui lui a valu d'être choisie pour piloter la créature divine Varuta. Link est son ami depuis l'enfance et ils s'entendent très bien. Voilà, plein de choses apparaissent. Donc on va essayer de faire ce quelques trucs avant de retourner après. Alors, je pense que le prochain, on ira au désert Gerudo, mais pour l'instant. Je vais aller voir. Bon, je vais essayer de voir s'il y a des trucs que. Bon, ça, je peux toujours pas faire. Ça, c'est fait. Alors. Épreuve basique de feu. Temps limité. Ah, il y a un temps limité. Saisir et relâcher. Ça, je peux toujours pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Alors, pas la peine de se quereller. Une coopérative agricole se dispute au sujet de la qualité de l'eau dans la ferme. Pour couper court au débat. Demander à la tribu des Gorons d'y installer un canal. Bah ouais, on va le faire. Un canal d'irrigation. On va le faire, on a assez de rubis, etc. C'est parti. Voilà. Oui. Vous avez désormais accès au ranch coopératif des mouettes. Tiens donc. Il n'y a rien de mieux qu'un verre de lait frais de notre ranch pour repartir du bon pied. Acheter. Alors, rayon de miel, bouteille de lait frais. Les vaches des limites et les chèvres blanches produisent ce lait frais. Délicieux, consommé tel quel, il peut être utilisé dans nombre de recettes de soupe et de flan. Par contre, je suis en train de réfléchir. On a tout ça, mais si on fait des recettes, est-ce qu'on les utilise? Jamais. En fait, je sais même pas. Je vais regarder justement comment faire. Alors déjà toi, je l'avais pas mis ça plutôt là, au début. On va mettre ça. Hein. Ok. Ensuite toi, on va voir qu'est-ce que t'as ta l'arme 15, 22. On va lui mettre ça. Je pense que je vais vendre quelques armes et peut-être faire des alors. Oui, Impa, il n'y a plus Impa. Impa, elle s'est enfuie. Alors, lance des cailles radieuses, 22, ça c'est le maximum.
pardon. Et Zelda. Zelda, 12. 12. Oui, je vais retourner voir le forgeron. Et je vais voir si je peux pas améliorer. Il est là. Alors, je vais fusionner des armes. Donc, je suis avec Link. On va voir si je fusionne celle-là avec celle-là, ça fait 21. 26. Je crois que c'est ça que j'avais fait la dernière fois, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça n'avait pas... Tiens, 26 aussi. Ah, je vais prendre plutôt celle-là, plutôt que le... Plutôt que celui-là. Que le marteau en fer. Allez, fusionner. Alors. Bon, voilà ce qui vient. Ok, oui. Donc là, je l'ai bien. Là, je l'ai. Parce que j'ai vu que ça avait dépensé des sous. Donc, je retourne voir Link. Et elle est là. Nickel. Ça marche. Ok. Donc, je vais essayer de faire la même chose avec d'autres armes. Alors, lance de soldat, épée de Zora. Non, l'épée de Zora, je vais pas l'utiliser. Tiens, je vais essayer celle-là. 20, 21, 20, 20. Ah non. pas faire le couillon et utiliser celle de 26 pour avoir... Ouais, je vais faire une de 20, je vais prendre celle-là et hop, fusionner. Allez. Ok, alors ensuite je vais faire Impa pour l'instant on l'a pas utilisé dernièrement. Tiens, je vais prendre celui-là et je vais utiliser. Ah, attends. Attendez. 18. Ok. Si je mets les trucs, ça ferait 19 et celui-là 20. On va faire 20. Fusiner. Oui. Ok, nickel. Par contre, après, je vais vendre des armes. On va prendre ensuite. Tiens, Bifa. Justement. Alors, son trident, c'est lance des cailles radieuses. C'est le plus puissant si je prends ça. Et que je fais ça ou ça. Ouais, 15. Bah, je préfère prendre. Bah oui, ça diminue. Donc, je vais prendre celui-là. 13. Fusionner. Oui. Là aussi que je disais que je vais vendre des armes pour des armes faibles, comme ça me fera des rubis et... parce que c'est quand même 50 rubis à chaque fois. Et pour finir, on va prendre Daruk qui est au niveau 11 déjà. Alors son arme la plus forte elle fait 22 qui est le brise montagne. Alors si je vais prendre un casse-pierre 14, hein, j'en ai plusieurs, qui fait 14, donc si je prends ça, ça fait 16. Ça fait que des 16 en fait. Bah, je vais prendre le 12. C'est le plus faible. Comme ça, ça évite de prendre celui de 14. Fusionner. Allez, ça c'est fait. Merci de rien. Ensuite, on va faire vendre. On va choisir Link. Alors, qu'est-ce qu'il a de le plus faible? C'est quoi ça? 27 rubis. 30 rubis. Putain, on va faire celle-là. Confirmer. Ensuite, celle-là vaut combien? La 12 en bas. 46. Ah bah oui. On va confirmer. Oui. Puis ça fera de la place aussi. J'en ai vendu. Ouais, je crois que je l'avais plein, mais en plus là. Celui-là fait 27, celui-là fait 26, 30, on va faire celle-là. Confirmer. On va faire de la place un peu dans l'inventaire. On va faire de la place dans l'inventaire. Je vends que les armes qui sont de faible. Ouais, on va faire celui-là, puis ça sera, je pense que ce sera bon. Ensuite, on va prendre Impa, parce qu'elle a des armes. Ouais, elle a pas beaucoup d'armes, donc on va lui laisser. Mifa, c'est pareil.
Alors. Tiens, celle de 12, elle vaut combien? 31, 47. Enfin, j'en ai deux comme ça, je vends deux comme ça et deux comme ça. Ouais, je vais vendre les deux. Confirmé. Oui. Et c'était celle de 14. Confirmé, voilà. Bon, ça c'est fait. Le forgeron, c'est fait. Donc, en fait, il faudrait que je sache si je fais de la popote, comment je les utilise, parce qu'en fait, si je fais des recettes, c'est pour les utiliser. Quand je les mange, bah, dans Breath of the Wild, c'était comme ça, mais là, comment je fais pour utiliser justement? Ah, mais je suis en train de réfléchir. Est-ce que ce serait pas justement quand j'appuie sur le B pendant un combat et que je mange une pomme? C'est sûrement ça en fait. Par contre, c'est où qu'on peut. Comment peut-on faire justement pour faire ça? Ça c'est fait. Tiens, je vais le faire celui-là. Ok. Ok. Il fait des plats. Ok, terminé. Ensuite, on va. Putain, celui-là, je peux. Non, c'est vrai que je peux pas le faire celui-là. Alors, saisir et relâcher. Ah, ça c'est. Ça c'est une bataille. Et ça, c'est une bataille aussi. Mais je le ferai juste. Je le ferai dans le prochain épisode. Le prochain épisode, je me consacrerai à faire le reste. Les batailles et puis. Et le reste de ça. Donc voilà. Je ferai ça. Alors, par contre, j'étais en train de regarder. Je suis au centre d'Hyrule. Par contre, il y a quatre en haut à droite. Il y a quatre petits bonhommes. Là, il y en a trois. Là, il y en a quatre. Cinq. Quatre. Ouais, ici, il y en a cinq. Je me demande à quoi ça correspond. Peut-être que si je réussis à faire toutes les missions qui sont ici, dans le centre d'Hyrule, peut-être que ça. Parce qu'il y a une barre de. Une petite barre bleue. Donc, ouais. Mais ça, je ferai ça. Prochain épisode. Alors, attendez, je vais peut-être faire un dernier truc. Pour avancer un petit peu. Tiens, il y a notre marmite là. Non, il manque de la viande. Alors, ici, il faut quoi? Premier pas d'un futur épéiste. Je n'ai pas de d'œil de chauve-souris. C'est des œils de chauve-souris qui manquent, hein, oui. Je crois que c'est ça. Alors, le village des limites. Le fournisseur de la teinturerie. Le teinturier a un problème. Il n'arrive pas à joindre ce fournisseur. Vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait les mettre en contact, mais il réclame une pierre précieuse en échange. Une pierre précieuse, ça doit être un saphir que j'ai. Donc, oui, je vais le faire. Voilà. Ok. J'ai un accès au levant. C'est ça. Vous avez désormais accès au levant. Teinturerie. Ok. Alors, je peux teindre mes. Je peux teindre mes vêtements, tout simplement. Ouais, ça c'est une petite option qui est sympathique, mais je pense pas faire ça tout de suite. Je préfère garder mes rubis, parce qu'à mon avis, ça va coûter des rubis, donc je préfère encore. À la limite, gardez mes. À la limite, high limit. La blague qui tue. Gardez mes rubis pour plutôt faire des. Acheter des. Pour fusionner des armes, par exemple. Ou acheter des. Faudrait que je vois aussi ce qui me manque pour certains trucs et voir s'ils sont. Non, ça, c'est une bataille aussi. Je ferai les batailles dans le prochain épisode. Tac. Ça me manque. Oui, parce qu'il y a certains trucs qui me manquent des choses. Est-ce que je peux les acheter plus tard? Dans les magasins que j'ouvre. Enfin, que je débloque plutôt. Là, il me manque des lézards. Donc, oui.
Je ferai ça dans le prochain épisode. J'essaierai de faire plusieurs batailles pour augmenter le niveau des personnages et voir aussi si je peux pas avoir débloqué d'autres. J'irai voir dans les magasins aussi, voir ce qu'ils vendent. Je me prendrai un peu de tout. Comme ça, si ça permet après de débloquer des choses. Donc voilà. Bon bah les gens, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir la suite et savoir les prochains jeux que je ferai. Parce que là, je suis en train de faire vraiment Hyrule Warrior. Mais je pense que je mettrai en même temps, en parallèle, d'autres let's play. Donc voilà. Et un petit commentaire sympa pour nous dire si vous avez bien avancé dans le jeu, si vous avez commencé le jeu, si vous attendez pour le faire, etc. etc. Donc voilà. Allez, portez-vous bien les gens. Ciao.